Putain, je crois que t'étais mort. Ça va, j'arrive. Ouais. Et vous allez tout de suite savoir si le Sony HX60 est une bonne caméra pour le vlog. Voilà. Voilà, moi je dis rien. Je vous spoil pas le. Go. Ah, quel merdier, hein. C'est vraiment de la merde ces caméras. Hein. Putain, oh, je te jure. Ah, ouais, vraiment. Mets ta ceinture, patron. Tchou. 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 J'ai mis ma ceinture, je suis désolé. Mais... Salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit vlog de la mort qui tue. J'ai jamais fait ça, donc je vais essayer de faire ça tranquillement. Je vais t'apprendre à faire des vlogs. Tu vois. Et nous sommes le 23 décembre. Dimanche 23 décembre. Donc là, on est parti faire un tour. Hein. Alors, on ira peut-être de nouveau ce soir ou quand il fera noir, du moins. Donc vers 5-6 heures, pour aller voir les illuminations. Parce que c'est les... Même pas, on n'est pas le 23 décembre, on est le 24. Qu'est-ce que je veux dire, on est le 24 décembre 2017. C'est Noël. C'est la veille de Noël, ce soir. Et donc voilà. Petit vlog, donc, surtout pour vous montrer la qualité du Sony HX60 pour du vlogging. Ça tourne un peu. Donc là, je vous dis tout de suite comment je filme. Je filme en AVC HD. 24 images par seconde en FX, donc en 24 mégas. Ça sert à rien puisque de toute façon pour YouTube on descend à 8 mégas en débit vidéo, donc voilà. C'est débile de vous dire ça, mais vous pouvez apercevoir la qualité à peu près, mais vu que c'est du 8 mégas, vous pouvez pas savoir la vraie qualité. J'ai également le Steady Shot, la stabilisation qui est activée sur Actif Intelligent, donc le mode le plus élevé. Normalement ça doit pas trop bouger, ça doit pas trop être dégueu. Je tiens l'appareil photo à bout de bras avec un trépied Manfrotto Pixie, comme ça qu'il s'appelle. Le petit trépied de table de chez Manfrotto, hyper costaud, hyper solide, vraiment très dur, vraiment hyper dur comme trépied. Costaud, vraiment la best, donc c'est la vie. Voilà, Manfrotto, c'est la vie. Je vous recommande cette marque. Et donc là, bah, on est parti. Voilà, hein, comme ça. Ouais, une poule. Regarde, c'est unique. C'est unique, les gars. Il y a des poules. Des poules m'amènent. Bon, ça, c'est un transfo électrique. Mais regarde, ils étaient dans le champ en face là. Ouais. Ah, c'est la campagne ici, hein. Mais il y a des poules en plein milieu de les routes. Sans déconner. C'est musé. Ah ouais. Alors là, je vous explique un peu ce que j'ai fait. Comme vous venez de voir, j'ai fait un petit ralenti. Donc je suis passé en 60 images secondes pleine, sachant qu'on a un autre mode 60 images secondes entrelacées. Donc entrelacées, en gros, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais si vous voulez, c'est en gros, hein, c'est deux images en une, si vous voulez, c'est deux images qui sont entrelacées l'une dans l'autre. Et en fait, ça permet de faire un gros gain de place lors de l'enregistrement, mais la qualité est moins bonne. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est si vous avez ce genre de caméra Sony, d'enregistrer en 60 images secondes, mais pleine, donc en 60 PS. Sur l'appareil photo, ça se dit comme ça, c'est en 60 PS et pas en 60i. Voilà, en 60i, c'est l'entrelacé, donc j'aime pas trop. Alors moi, c'est personnel après. Ah, voilà, la baraque ici, jolie, voilà, la petite baraque, on l'a vu, voilà, donc ça c'est la baraque du quartier qui s'allume au soir. Il y a une année, il faisait payer, je sais pas si cette année c'est encore comme ça, parce qu'à mon avis il a dû se faire descendre, et donc voilà. Donc là j'enregistre toujours en 60 images secondes, mais je l'ai réduit à 24 pour le vlog. Et pour pouvoir faire les ralentis, voilà, c'est tout. Alors là, le son, vous pouvez entendre le son, c'est brut de décoffrage, j'ai fait aucun traitement dessus.
je monte cette vidéo avec iMovie, donc nécessairement il n'y a aucune modification non plus. Et on a un son qui est vachement un son d'ambiance en fait, mais la principale reproche des micros que je peux faire sur cet appareil photo, c'est que les micros sont orientés vers le haut et pas vers moi. Du coup ça fait que ben, on entend beaucoup le son d'ambiance, tout ce qu'il y a autour, mais très peu ma voix. Donc du coup ça fait que le son est un peu dégradé, c'est dommage. Les micros auraient été orientés vers l'avant de l'appareil photo, ça aurait aidé très largement à la captation des voix. Et franchement ça aurait été d'une aide assez précieuse. Voilà. Donc, mais comme vous pouvez l'entendre, le son c'est un son stéréo qui est plutôt bon, hein, on va pas se plaindre. On a une option de réduction de bruit du vent que vous pouvez activer, comme ça quand il y a du vent en fait ça coupe les basses fréquences. Donc le quand il y a du vent, c'est atténué en fait. Ça ne supprime pas le vent, attention. Ça descend les basses fréquences pour éviter que ça fasse trop de bruit. Voilà. Mais ça coupe une bonne partie du son. Donc là, je ne l'ai pas activé. Voilà. Puis de toute façon, il n'y a pas de vent. Donc la meilleure solution, ça reste encore un dead cat, un chat mort. Ou si vous voulez, c'est une espèce de petite touffe qu'on met sur les micros pour atténuer le vent. Voilà, ça reste la meilleure solution. Mais sur un appareil photo comme ça, on ne peut pas en mettre puisque les micros sont intégrés dans la caméra. Et oui, c'est dommage. Hein. Ah, j'ai mal au bras par contre. C'est pas lourd, hein, mais de tenir le truc à bout de bras comme ça, j'ai mal à l'épaule. Hein. Alors, comment je fais pour faire mes ralentis? C'est assez simple, hein. J'enregistre mes vidéos en 60 images secondes et sur iMovie ou sur mon logiciel de montage en général, je descends la fréquence d'image, donc je ralentis la vidéo à 24 images par seconde par exemple, et ça fait un ralenti. Il n'y a pas de mode ralenti dans la caméra. Voilà. Donc pour faire du ralenti avec n'importe quelle caméra, faut une caméra qui enregistre avec une fréquence d'image assez élevée, donc par exemple 60 images secondes ou 50 images secondes si vous enregistrez au standard PAL, parce que là j'enregistre au standard américain NTSC pour avoir la fréquence 24 images secondes pour les vlogs et surtout pour faire un ralenti plus beau. C'est des normes, hein, vous en faites pas, c'est rien. Et donc ensuite, je prends ma vidéo, mon bout de vidéo que je veux ralentir, et je réduis la vitesse. Par exemple, je la réduis soit par 2 pour avoir du 30 images secondes, soit un peu plus pour avoir du 24 images par seconde. Et du coup, ça fait le ralenti que vous venez de voir. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle caméra qui enregistre en 50 ou 60 images par seconde. Voilà. Après, il y a des caméras qui ont des modes ralentis à l'intérieur, mais là, ça pousse les fréquences d'image assez haut. 120 images par seconde, 240 images par seconde. Sauf que le problème avec ça, c'est que le temps d'exposition est très réduit, et du coup, vous avez des images sombres. Donc, soit il fait jour, soit vous êtes niqué. Voilà, directement. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est dans une route de campagne. Il y a vraiment des trous, c'est dégueulasse. Autour de nous, alors, il y a des champs en face, il y a des champs à droite, il y a des champs à droite, des champs à gauche, il y a des champs derrière aussi. Ouais. Va falloir. Une bouteille de coca aussi. Ouais, bon. Et alors, on est vraiment sur une route dégueulasse. Et comme vous pouvez le voir, il y a un instant, j'étais en train de filmer mon frère à bout de bras et ça ne bouge pas. Voilà. Donc la stabilisation est assez impressionnante. Et je faisais un peu exprès aussi de faire attention à mon bras pour pas que ça cogne. Mais sinon, là, comme vous pouvez le voir, là, je filme à bout de bras, voilà, on s'arrête, bon, comme de par hasard. La stabilisation, le système de stabilisation chez Sony, le Steadyshot, est impressionnant. Mais vraiment. Surtout leurs appareils photo, vraiment, on a une stabilisation assez ouf. Assez ouf. C'est stabilisé sur 5 axes. Voilà, pour les connaisseurs. Et 30, hein, on a dit 30, hein. J'ai 35. Alors, t'as combien là, hein? 35, mec. Enfoiré. Elle a trop de puissance. Ah là 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 là. Il y a beaucoup de trucs
religieux dans cette vidéo. Ouais, c'est une vidéo sponsorisée par l'église catholique. Voilà, c'est faites chaud. Un don. C'est chaud quand même. Aïe aïe aïe. Bah on est à la campagne les frères, hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà, à ta santé. On arrive à Ligne. Oh, je suis sur une ligne là, oh, hop là. En fait, il y a un gars derrière, donc on va se dire. Sans déconner, putain, ils vont dire, les gens ils sont fous, c'est impossible. Et donc, je disais, je vais faire ce vlog sur 2 jours. Oula, c'est quoi ça? Sur le poteau électrique, il y a un boîtier noir accroché qui pend. Oula, c'est méchant tout ça. Eh, c'est pas la fibre ça? Non, c'est un radar, c'est un radar. Pierre, si tu vois cette vidéo, si tu passes par là, nous te saluons, jeune padawan. Voilà. Si tu reconnais pas cette rue, c'est la tienne. Et ça, c'est ta maison. Vous voulez peut-être pas qu'on a voilà. Bah, il n'y a pas son adresse, donc vous savez pas où on est. Hein. C'est là, 45 rue mon cul, dans mon cul, et 12 à gauche. Voilà. C'est pas loin de Paris, non je déconne. Nu et tout bronzé. Nanana. Mais chante avec moi, bordel. Putain, chante pas avec moi. Ah, je peux pas, je conduis. Regarde ta route. Ah, fils de p. T'es fou. J'ai failli faire un accident là. Nous allons emprunter ce qu'on appelle la descente de la mort. C'est une descente. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne freine pas. Je m'arrête pas. Mais appuie sur le frein. Ça fait rien en fait. Bah ouais, ça fait rien. Pourquoi tu gueules comme ça? Je sais pas, virage peut-être. T'es con ou quoi? Arrête de gueuler ainsi. Mais on n'est pas sourd. Mais on n'est pas sourd ici, arrête de gueuler ainsi. Tu gueules tellement fort, t'étais en haut de la côte, les gens ici t'entendent. Oh, t'es con. Excuse-moi, c'est 50 panneaux. Enfoiré de radar de merde. Là, on rentre chez nous, on va aller. Il est quelle heure? Il est 11h42. Je rentre chez moi, je vais manger. Oui, on mange tôt, hein, on est. Voilà. Et ce soir, c'est le réveillon de Noël, donc ce soir, j'essaierai de vous faire 2-3 petits trucs intéressants entre deux. Et donc ce soir, c'est la veille de Noël, c'est le réveillon de Noël, donc on va bouffer comme des cinglés. Ils ont ouvert la. Ouais, ça sent la fibre ça. Nous allons voir la compétence professionnelle de ce garçon pour une marche arrière. C'est attention, parti, c'est parti. Go. Attention, ça y va. Allez. Sans les freins. Allez, sans les freins. Allez, les freins, ça recule. Hop, ça passe. La petite auto. Le mur. Allez. Bien sûr, je suis obligé de toucher au frein là maintenant. Voilà. Garé, terminé. Bien voilà. Sûr. Si vous avez besoin, je vous garde votre voiture en marche avant, marche arrière, créneau, pas créneau, épi, pas épi de blé. Ça, c'est vous qui voyez. Vous m'appelez, je suis disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. 03 02 01 00 07 08. Il y a 12 chiffres. Non, il y en a 10. Non, il y en a 12. Bon, bah, je vais vous enlever 08 à la fin, puis voilà, c'est bon. Bon voilà, alors comme vous le constatez, j'ai démarré déjà le montage du vlog, donc je suis sur iMovie. Comparé à d'autres logiciels, j'aime pas trop sa manière de fonctionner, c'est simplifié à l'extrême et ça m'embête un peu. Mais bon, les montages se font, c'est l'essentiel. Là, je vais juste manger, 12h34, je vais manger et je continuerai le montage cet après-midi. Voilà, c'est tout. J'ai une vie de merde, moi. Boum. Bon voilà, j'ai enfin terminé le montage de la première partie de ce vlog. Donc tout ce que vous venez de voir là, juste avant là, bah tout est là-dedans. Donc là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Bah j'en sais trop rien, il est 13h48.
Cet après-midi, on va pas faire grand-chose. On va surtout essayer de se reposer un peu. Et puis, voilà. Hein, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Cet après-midi, on ira encore un peu se balader, voir un peu les illuminations. On va surtout y aller ce soir, en fait, parce que quand il fait jour, il y a pas grand-chose. Et puis voilà, j'ai envie de sortir aujourd'hui comme hier et comme avant-hier, donc on va sortir comme hier et comme avant-hier. On va aller se balader, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dimanche 24 décembre, je vous l'ai déjà dit, et tout est ouvert aujourd'hui, on est dimanche, donc on va surtout voir les boulangeries, les boucheries, les fleuristes qui tournent à fond là en ce moment tout de suite, et il va y avoir un monde fou. Et on va aller aussi dans un hypermarché, je vous dirai pas lequel, nécessairement si je vous dis que c'est Auchan, ça sert à rien puisque de toute manière c'est un hyper. Ça va être noir de monde, on va juste aller faire une visite. Juste pour vous montrer l'état du parking et l'état du magasin dedans, ça va être une horreur. Vraiment pour vous montrer le monde qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment noir de monde. Et puis ensuite, on fera expérience sociale ce soir, on ira voir les illuminations. Voilà. Et je pense qu'on aura fini cette première journée. Le vlog est assez long et ça va encore être long parce qu'il y a la journée de demain. Enfin, la journée de demain, plus ou moins, hein, juste les cadeaux hein, pour demain. Parce que demain après, c'est tout, on va pas faire grand chose. Je fais pas plus long, donc on se retrouve dans 2 secondes dans la bagnole si on se balade. Bon, pourquoi pas. En fait, j'ai réfléchi, je vais faire ce vlog en 2 jours, en 2 parties, vraiment. C'est-à-dire que je vais uploader la première partie ce soir sur YouTube et demain, je ferai la deuxième partie, je l'uploaderai demain. Parce que je suis en train de me rendre compte que le vlog, là, fait déjà 20 minutes. Donc, en termes de longueur, c'est pas mal. Si vous êtes encore là, vous êtes vraiment des vétérans. Vous êtes vraiment attachés à moi si vous êtes encore là, parce que... 20 minutes, c'est long, quoi. Donc, je vais faire ça, je finis cette journée, je fais le montage, j'upload tout ça ce soir. Et puis, demain, je referai un deuxième vlog, une deuxième partie à part, que je posterai sur YouTube à part. Voilà, parce que je vais galérer ma race pour mettre la vidéo en ligne. En plus, avec les 60 images secondes, là, je suis pas mal. Bon, voilà, on est arrivé. Alors, on a galéré comme des chiens à trouver une place au champ. Et en fait, le gars d'à côté a une Renault bétaillère, on est bien d'accord. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais juste là, il a posé des kits de Bose Acoustimass dans sa bétaillère. C'est des enceintes prévues pour mettre dans des salles de cinéma. Voilà. Il a mis ça dans une Renault bétaillère. Bah écoute, si ça fonctionne, moi, y a pas de souci, hein, mais je voudrais bien voir son poste. Son poste, il doit avoir un préampli de 40 000 watts, le truc. Ça doit abusé. Bon, bah, on va rentrer dans Auchan, on va voir s'il y a du monde. Et puis, on va rien acheter. Voilà. Oh, monsieur, on va acheter une tronçonneuse pour découper la dinde tout à l'heure. Mais sans la lame. Ouais. Une magnifique tronçonneuse en plastique. 129 € pour découper une dinde, pas mal. On achète ? Un bain ou... On achète, hein. Allez, on achète. Banco, c'est à moi. Bon, dans le style, on n'a rien trouvé à Auchan, c'est génial. Et dans le style, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est génial aussi. Voilà. Donc du coup, là, on va aller se faire une pause d'OMAC très 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 rapide, parce que forcément, il faut qu'on se garde de la place dans le bide pour ce soir. Si c'est ouvert, il y a beaucoup de choses qui ferment avant, c'est assez triste. Auchan ferme à 18h, au lieu de fermer à 21h, par exemple. Ouais, faut que j'ouvre la voiture. Alors attendez-moi 2 secondes. Je vais vous poser là, d'accord ? Voilà. Hein ? Ça craint rien, ça craint rien. C'est waterproof. C'est waterproof. Ça prend l'eau en 2 secondes. Alors, j'avais des doutes. Mais on est arrivé chez nos amis de. Voilà, hein. Et le parking est vide.
vide, nothing. Putain. C'est vraiment le Noël le plus triste de toute ma vie. Et là, je pèse mes mots. Les gens ne s'amusent plus. C'est triste. Il y a une feuille sur la porte marquée dimanche 24 décembre, fermeture à 17h. Et voilà. Bon, bah moi, vous savez quoi, je vais rentrer chez moi parce qu'il y a tout qui ferme avant ici, donc c'est pourri. Je rentre chez moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Personne ne fête Noël, vous êtes tous cons. Voilà. Justement, si les gens sont partis, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc vous êtes tous coincés, point barre. Hop. Ah oh mais les gars, les sans déconner, mais sans déconner. Franchement, sans déconner. Tu vas venir ce soir chez moi, hein. T'as compris? Tu viens chez moi ce soir, hein. Attention, hein. Si, allez, hop. On se casse, littéralement. Voilà, rien à foutre. La belle. Ça c'est dans la boîte. Ça c'est dans la boîte. Eh, oh, ça c'est pas trop mignon ça. Regarde ça. Il est tout seul. Hein. Oh. Hein. Ça s'emmerder quand même. Dans le style trop belle façade, il y a ça. Ouais, voilà. Ils ont même mis le machin là, ça. Je crois que nous avons retrouvé Optimus Prime. Voilà. Carrément. Il y a plus silence. On est dans la merde. Sans déconner. C'est génial. Il y avait la bouche au sens. C'est la fin, on est rentré. Donc, pour m'expliquer, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, donc je crois qu'on va se laisser là. Mon bilan, bah, c'est que je suis très triste. Je trouve que le Noël de cette année, c'est plus comme avant. On perd cette féerie de Noël, donc je trouve que c'est plus comme avant. Et je trouve qu'on a perdu pas mal de choses par rapport à avant, toujours. Donc, je suis vraiment triste. Quoi qu'il en soit, bah, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Un joyeux Noël si je poste pas ce vlog avant Noël. Nous étions le dimanche 24 décembre 2017 et c'est la tristesse.